Hey, j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose d'important le 21 octobre. Tu sais quoi? Ah, ça, c'est les élections fédérales canadiennes. Les élections fédérales canadiennes. C'est quoi ça? Siri, c'est quoi ça, les élections fédérales canadiennes? Les élections fédérales canadiennes, c'est le moment où la population vote pour un député qui va diriger le Canada au maximum pendant 4 ans. Toute la population ayant atteint la majorité est invitée à voter. Il y a plusieurs partis qui se représentent. Cette année, nous avons le Parti vert, le Parti libéral, le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur, le Parti populaire et plusieurs autres. N'oubliez pas que les élections seront le 21 octobre 2019. Voulez-vous que j'ajoute à l'agenda? Ben non, j'ai pas 18 ans. Ben, c'est très simple, je vais être au service de la population de Sherbrooke. Et ça, c'est le premier rôle d'un député, c'est vraiment servir la population. Donc, être à l'écoute et être la courroie de transmission pour les demandes des Sherbrookois à la Chambre des communes. Et je pense que la principale raison, c'est parce que j'ai pu montrer mes capacités à bien représenter Sherbrooke dans les dernières années. Donc, je mise beaucoup sur mon bilan, sur la satisfaction des citoyens dans ces dernières années. C'est pas un hasard que, suite au déclenchement de l'élection, ma première annonce a été sur le thème de l'environnement. Donc, j'ai voulu vraiment montrer aux citoyens que c'était ma priorité. Donc, quelques exemples sont, comme je l'ai dit, le train entre Montréal et Sherbrooke. Donc, on veut favoriser le déplacement entre Montréal et Sherbrooke avec un transport en commun. Puis, on veut aussi à terme être un partenaire avec la Société de transport de Sherbrooke pour électrifier le transport en commun et l'améliorer pour que ce soit plus facile pour les Sherbrookois de l'utiliser. Donc, on veut investir dans la municipalité pour ça. Puis, on veut aussi mieux protéger la ville contre les inondations. Donc, on veut prévoir des investissements en infrastructures pour mieux protéger contre les événements météorologiques extrêmes qu'on connaît malheureusement qui seront plus fréquents. Et on veut aussi être un partenaire avec l'Université de Sherbrooke, comme je le disais tantôt, pour faire partie de cette nouvelle économie et donc développer des nouvelles technologies vertes à l'université, puis tenter de les commercialiser pour que Sherbrooke se démarque sur la scène nationale, mais aussi internationale. C'est bien beau tout ça, mais c'est où qu'on va pour voter? Toutes les personnes de 18 ans et plus vont recevoir l'information par la poste. Que ce soit des enjeux comme le climat qui vous branche, l'économie, l'avortement, le droit des femmes ou peu importe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est... Allez voter!